Azeroth n'est qu'un petit monde perdu au sein d'un vaste univers, un royaume peuplé de magie puissante et d'êtres redoutables. Depuis l'aube des temps, ses forces ont influencé Azeroth ainsi que le cosmos qui l'entoure. Provoquant le mouvement des étoiles et façonnant la destinée d'innombrables mondes et civilisations mortelles. La lumière et l'ombre sont les forces les plus fondamentales qui soient. Bien que contradictoires de par leur nature, elles sont reliées à l'échelle cosmique. L'une ne peut exister sans l'autre. La lumière et l'ombre pure gisent dans un royaume aux franges de la réalité, mais on trouve des traces de leur présence dans l'univers physique. La lumière se manifeste sous forme de magie sacrée, tandis que son antithèse, aussi appelée le vide, apparaît sous forme de magie des ombres. Les forces de la vie et de la mort régissent chaque être vivant. Les énergies de la vie, communément appelées magie de la nature, encouragent la croissance et le renouveau de toute chose. La mort, sous forme de magie nécromantique, fait office de contrepoids à la vie. C'est une force inéluctable qui engendre le désespoir dans les cœurs mortels et qui pousse toute la création vers un état de décomposition chaotique et d'oubli final. Les forces de l'ordre et du désordre gouvernent le système cosmique de l'univers physique. Dans la réalité, l'ordre est plus communément perçu comme magie des arcanes. Ce type d'énergie est versatile par nature et le manier requiert une précision et une concentration intense. Inversement, le désordre prend la forme d'une magie gangrenée hautement destructrice. Cette énergie brutale et extrêmement addictive est alimentée par la vie puisée chez les êtres vivants. Le feu, l'air, la terre et l'eau sont à l'origine de toute matière dans les univers physiques. Les cultures chamaniques ont longtemps cherché à vivre en harmonie avec les éléments ou à affirmer leur contrôle sur elles. Pour cela, elles ont fait appel aux forces primordiales de l'esprit et de la décomposition. Ceux qui cherchent à apporter l'équilibre aux éléments s'en remettent à l'esprit, parfois qualifié de cinquième élément chez les chamans ou de chi chez les moines. Cette force dispensatrice de vie relie toutes choses existantes afin qu'elles ne forment plus qu'un. La décomposition est l'instrument des chamans qui cherchent à subjuguer les éléments afin de les changer en armes. De nombreuses cultures chamaniques ont découvert que les éléments pouvaient influencer une large palette d'états émotionnels. C'est pour cette raison que les mortels associent souvent les éléments avec différents sentiments, à la fois positifs et négatifs. Le feu pour des traits de passion ou de fureur, la terre pour de la stabilité et l'entêtement. L'esprit est lié au courage ou à la naïveté, l'air à l'ingéniosité, voire la folie. L'eau, la tranquillité et l'indécision, la décomposition à l'efficacité et à l'implacabilité. Bien entendu, tout ceci a besoin de terrains de jeu. Ces terrains de jeu sont aussi appelés royaumes d'existence. Ils sont au nombre de quatre. Les ténèbres de l'au-delà, le néant distordu, le rêve d'émeraude et les terres d'ombre. Laissez-moi vous expliquer chacun d'entre eux. La ténèbre de l'au-delà représente l'univers physique. C'est un royaume vivant et infini, composé d'une myriade d'étoiles, de mondes et de civilisations mortelles. Azeroth, le monde de Warcraft, n'est qu'une des innombrables planètes, flottant à travers les vastes étendues de la ténèbre de l'au-delà. Le néant distordu est une dimension astrale parallèle à la ténèbre de l'au-delà. Les forces de la lumière et du vide flirtent aux frontières du néant distordu, plongeant ce royaume dans un état de conflit perpétuel. Il arrive que les magies versatiles imprégnant cette dimension fassent intrusion dans l'univers physique, pervertissant la réalité au-delà de toute mesure. Le rêve d'émeraude est un royaume éthéré, composé d'esprits et de natures sauvages qui existent parallèlement au monde d'Azeroth. Des êtres fabuleux, connus sous le nom de gardiens, ont forgé le rêve d'émeraude afin qu'il tienne lieu de cartes retraçant l'évolution de la faune et la flore peuplant Azeroth. Les deux royaumes sont liés au point de ne faire qu'un, tandis que la vie suit ses fluctuations dans le monde physique, les énergies spirituelles qui saturent le rêve d'émeraude empruntent le même chemin. Bien que lié au monde physique, le rêve d'émeraude est un lieu que la plupart des esprits mortels trouveraient étrange, irréel. En canalisant la magie druidique, certains de ces esprits peuvent entrer dans un état onirique et arpenter consciemment le rêve d'émeraude. Leurs pensées peuvent aussi façonner et influencer des portions de ce royaume, spirituel verdoyant, mais l'empreinte laissée par ces rêveurs n'est jamais permanente. Dans les voies oniriques, le temps et la distance sont changeants. Les esprits circulent comme des vents vivants au cœur de forêts primordiales en perpétuelle mutation.
Ce qui paraît tangible à un moment devient intangible l'instant d'après, des points de repère apparemment fixes se transformant en l'espace d'un clin d'œil. Et enfin, les terres d'ombre. À l'instar du rêve d'Émeraude, les terres d'ombre sont couplées au monde d'Azeroth. Cependant, tandis que le rêve d'Émeraude représente la vie, les terres d'ombre représentent la mort. Ce sont des royaumes cauchemardesques, en décomposition des plans spirituels labyrinthiques où grouillent les âmes des morts issues du monde des vivants. L'origine de la Terre des Ombres est incertaine, mais elle existe depuis l'apparition de la vie mortelle dans l'univers physique. Nombreux sont ceux qui croient que les âmes mortelles sont attirées dans ce lieu sombre au moment de la mort et qu'elles y restent ensuite pour l'éternité. D'autres espèrent néanmoins que leur âme poursuivra son chemin vers un lieu plus lumineux, au lieu de se languir pour l'éternité entre les limites glaciales des Terres d'Ombres.